Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le tarot renard, nous utiliserons un le normand avec le reflet de lune et un oracle avec le message des papillons d'Alana Fairchild. Je vous mets ce jeu, la référence de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. Et le normand et le tarot renard, ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur la boutique de mon site dont vous avez aussi la référence en barre d'infos. Voilà, on va commencer tout de suite. Pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, mettre un petit commentaire, etc., etc. Alors, pour vous les balances, nous avons le roi de coupe et le 7 de denier. Je vais vous les rapprocher pour vous les montrer. On a deux belles cartes qui sont des cartes très positives toutes les deux. On est ici dans une sorte, enfin vous êtes ce mois-ci en fait dans une sorte de temps d'attente. C'est un moment où en fait vous ressentez une grande stabilité intérieure, une grande force. Vous avez donné votre maximum précédemment et aujourd'hui vous en récoltez les fruits. Mais vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Vous êtes là simplement à recevoir ce que vous avez mis en place, les bénéfices de ce que vous avez mis en place. Et on ne vous demande pas de penser à la suite, on ne vous demande pas de penser à l'avenir, on vous demande simplement d'être là et d'en profiter. Profitez de tout ce que vous avez fait précédemment, de toute l'énergie que vous avez donnée. Profitez de tout ce que ça va vous donner actuellement, de tout ce que ça vous rapporte maintenant. Ne pensez pas à vous lancer déjà dans autre chose, mais prenez le temps vraiment de savourer ces instants. On vous invite ici bien sûr à vivre dans l'instant présent, mais ce qui est intéressant c'est aussi de faire ce petit bilan sur vous-même et de voir à quel point vous ressentez une grande stabilité. Ici avec le roi de coupe, on est dans cette stabilité, on a la maîtrise de ses émotions, on a la maîtrise de son environnement, on se sent bien accepté, on se sent bien entouré, on se sent à sa place. Et ça c'est très précieux, profitez justement de ça, profitez de ressentir un petit peu tout ça. Voyez un petit peu dans votre quotidien où vous vous sentez bien, où vous vous sentez à votre place, où vous vous sentez le plus utile. Quelle est votre juste place dans le monde ? Incarnez-la, prenez-la cette place. On voit que vous avez donné justement de l'énergie précédemment hein, et c'est quelque chose qu'on vous rend aujourd'hui. On vous rend cette beauté, on vous rend cette énergie, on vous rend tout ce que vous avez, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez entrepris. Donc soyez fiers aussi de ça, soyez fiers du travail que vous avez accompli. C'est vraiment de très belles cartes, alors ce ne sont pas des cartes de mouvement, on est dans deux cartes au contraire, où on se pose et on attend. En fait on n'attend pas, on vit le moment présent. C'est cette idée-là, c'est pas cette idée j'attends, je vois ce qui se passe, c'est cette idée de je suis dans le moment présent, je me sens bien dans le moment présent et j'en profite en fait tout simplement. Pas de projection sur l'avenir, pas de projection sur ce qui pourrait éventuellement se passer. Non, non, simplement, je suis là, je profite et je me sens bien à ma place. Vous avez trouvé votre équilibre pour ce mois-ci, les balances. Alors, on va prendre quatre cartes du Lenormand, la carte du balai, la carte du renard, la carte du jardin et la carte de la bague. Alors, eh bien, voyez par exemple, ce mois-ci, s'il y a des tensions autour de vous, avec la carte du balai, souvent on parle de tensions, on parle de disputes, on parle un petit peu des vieux sujets qui font pas très plaisir et qu'on remet à chaque fois sur le tapis. Eh bien là, avec la carte du renard qui est juste à côté, on vous dit hop, 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 ne prenez pas parti. S'il y a des disputes autour de vous, n'y allez pas, ne mettez pas votre grain de sel, cela ne vous regarde pas. Tant que ça ne vous concerne pas, et même si ça vous concernait, essayez de prendre un maximum de recul dessus. Mais tant que ça vous ne vous concerne pas, ne prenez surtout pas parti.
très important. Il y aura des tensions autour de vous qui sans doute ne vous regarderont même pas, mais on vous demandera de prendre parti et là, ne le faites pas. Refusez de prendre parti. Pensez à vous. Soyez en mode renard, je pense à moi, je me mets dans mon petit terrier et je vois ce qui est bon pour moi. Vous observez, vous êtes là, vous êtes neutre, vous êtes la Suisse. Pour ce mois-ci, vous êtes la Suisse. Voilà. Il y a aussi beaucoup de rencontres qui vont se faire ce mois-ci. Et c'est très intéressant parce que ces rencontres, d'ailleurs avec le jardin, et ici on a cette idée aussi toujours avec le 7 de Pentacle d'être dans un jardin. Donc ici avec le Lenormand, le jardin c'est le lieu public, c'est là où on va se croiser, on va faire des discussions, on va rencontrer des nouvelles personnes. Eh bien vous allez, ces nouvelles rencontres vont sans doute aboutir pour plus tard à un partenariat, un échange. Alors ça peut être une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Ça pourrait être aussi, alors là je vais peut-être parler à une personne parmi toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, mais ça pourrait être une déclaration ou une demande en mariage dans un lieu public. Voilà, on est très... le Lenormand des fois c'est très terre à terre, hein. Jardin, bague, voilà. Mais là bien sûr j'ai tout à fait conscience que ça ne parlera absolument pas à tout le monde, mais ça peut parler, voilà, à une ou deux personnes d'entre vous. On a aussi cette idée, surtout de façon générale, de rencontrer du monde, de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, sans se prendre la tête. Ici, c'est vraiment simplement l'idée de se rencontrer, de se retrouver, de partager ensemble et en même temps de consolider des liens, voire de rencontrer des personnes qui vont sur le long terme être de très très bons amis. Des personnes peut-être aussi avec lesquelles on va s'engager d'un point de vue professionnel, si ce tirage pour vous, vous le voyez plus dans un axe professionnel. Donc on a un engagement, peut-être un partenariat qui va se faire ici grâce à ces rencontres. Voilà, on va terminer avec un message des papillons. Donc on a ce très joli papillon. Même lorsque les choses ne sont pas parfaites ou ne semblent pas fonctionner, je choisis de faire confiance en la vie, à la vie. Voilà, donc même si il y a des choses qui ne semblent pas aller dans le sens que vous souhaitiez ou qui semblent complètement incompréhensibles, lâchez prise dessus, faites confiance et laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un très très bon mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tirages. Prenez bien soin de vous. Bye bye !